Visible Patient est un laboratoire d'analyse d'images médicales en ligne qui a été créé à l'origine par l'IRCAD après 15 années de recherche. Aujourd'hui, Visible Patient, c'est plus de 50 employés qui produisent quotidiennement un grand nombre de modèles 3D pour les chirurgiens à partir des images médicales des patients. J'ai rencontré un type formidable qui s'appelle Luc Solaire, qui a créé cette boîte il y a un certain nombre d'années et qui a accepté d'emblée d'être le mécène pour cette histoire que nous vivons ensemble avec Mécénat. Mécénat Chirurgie Cardiaque est une association qui a pour objectif de sauver des vies. Et Visible Patient, on s'est aussi donné comme objectif de sauver des vies. Outre la compétence, il y a la gentillesse, il y a la participation, parce que c'est ça qui est important, c'est de faire les choses ensemble. Nous faisons depuis 9 mois maintenant ces reconstructions qui nous aident de façon absolument considérable pour le diagnostic, pour le pronostic et pour l'enseignement. Lorsqu'on nous envoie un scanner ou une IRM du patient, l'équipe va utiliser des logiciels qui ont été développés par nos différents travaux de recherche. Et à partir de là, on va avoir une modélisation, une sorte de copie numérique 3D du patient qui va être extraite de l'image médicale. Et cette image est en couleur et en 3D, donc beaucoup plus facile à comprendre. Et ça nous permet de voir exactement ce que nous allons pouvoir faire chez cet enfant. Avant, il regardait un scanner qui est une image en coupe, en niveau de gris. En coupe, ça veut dire comme si on avait découpé le patient en tranches. Et en niveau de gris, nos yeux sont faits pour voir en couleur. Aujourd'hui, on voit le patient en 3 dimensions et en couleur. Donc, c'est beaucoup plus facile de percevoir les relations entre les organes, la position et la topologie des différentes structures anatomiques et pathologiques. En chirurgie cardiaque, le plus important, c'est la bonne indication. Est-ce qu'on va opérer ? Et quand on a décidé d'opérer, qu'est-ce qu'on va faire exactement ? Et ça, avec les reconstructions 3D, on peut le décider tranquillement à tête reposée avant et savoir ce qu'on va faire. Visible Patient est la seule solution aujourd'hui qui a obtenu une habilitation en tant que dispositif médical pour la chirurgie pédiatrique, à la fois en Europe et aux États-Unis. Le partenariat avec Johnson & Johnson nous a permis de nous développer de façon très rapide. Et pour donner un exemple, sur le premier trimestre 2022, on est à plus de 110% par rapport au trimestre précédent. Donc on voit qu'il y a une très forte évolution de la demande, tout simplement parce qu'on est de plus en plus connu et que la solution étant simple d'usage, beaucoup de chirurgiens souhaitent y accéder. Sans Visible Patient, nous faisions venir des enfants avec des atrésies pulmonaires. On leur faisait en France un cathétérisme avec angiographie. Et dans un certain nombre des cas, on se rendait compte qu'ils n'étaient pas opérables. Il fallait les renvoyer dans leur pays. Vous imaginez la désillusion de la famille, les frais que ça a provoqué de faire venir l'enfant, de faire les examens, etc. Donc tout ça, maintenant, nous l'évitons. Et ça, c'est un gain absolument considérable. C'est-à-dire, dans la salle de staff, on regarde les documents, on les fait tourner, on les argumente avec toute notre équipe médico-chirurgicale. Et on dit, ben voilà, cet enfant, on peut faire quelque chose pour lui. Celui-là, malheureusement, on ne peut pas, il ne viendra pas. Donc, vous voyez que le bénéfice est véritablement considérable. Les chirurgiens, en fait, recherchent toujours des innovations qui vont permettre d'améliorer leur pratique chirurgicale. Visible Patient leur fournit un outil utile, simple d'usage et accessible rapidement. On reçoit une structure et puis on retire au fur et à mesure tous les éléments qu'on nettoie en quelque sorte pour ne garder que l'aorte, l'artère pulmonaire et ce qu'on appelle la circulation collatérale, qu'on appelle en termes savants les MAPCAS. On les voit très bien sur les reconstructions 3D de Visible Patient. Donc on a l'aorte en rouge, l'artère pulmonaire en bleu et les MAPCAS en violet. En fait, Visible Patient s'appelle Visible Patient parce qu'on rend visible ce qui ne l'était pas avant, mais qui était pourtant accessible par le biais d'une image. Simplement, notre cerveau n'était pas capable de l'interpréter. Et c'est pour ça qu'on passe par des programmes d'intelligence artificielle qui vont assister l'humain dans une analyse qui était complexe, mais on garde l'humain derrière pour contrôler le résultat fait par la machine. On ne part pas en chirurgie à l'aventure. On n'ouvre pas un thorax en disant bah, « je vais voir ce que je vais trouver », etc. Donc là, on sait exactement à quoi on va s'attendre. Avec ces deux éléments, c'est-à-dire la reconstruction qui a permis un très bon diagnostic et une très bonne décision thérapeutique en amont, plus le cathétérisme qui va préciser quelques points, c'est vrai que maintenant, le chirurgien, il sait exactement où il va. Parce que c'est quand même une chirurgie très lourde. Grâce à ces modélisations, les équipes de Mécénat Chirurgie Cardiaque ont une visualisation extrêmement précise et en 3 dimensions de la variation
pathologique, en l'occurrence, qui va devoir être traité. C'est très utile, évidemment, on vient de le voir pour le chirurgien, mais ça va être extrêmement intéressant pour l'enseignement. Mécénat s'intéresse énormément à l'enseignement et on va pouvoir diffuser justement ces reconstructions en montrant une reconstruction d'une vascularisation pulmonaire normale et à côté montrer ce qu'a le patient pour que l'étudiant comprenne bien ce qui se passe et savoir lui aussi en amont si c'est des patients qui vont pouvoir être opérés ou pas. Donc ça nous sera très très précieux pour l'enseignement. Quand on a vu ce que font au quotidien les équipes de mécénat chirurgie cardiaque, on s'est dit qu'on ne pouvait qu'être associé à un tel projet qui est extraordinaire et pour lequel on était heureux de pouvoir participer. Ces modèles ne coûtent rien à mécénat chirurgie cardiaque car nous avons la chance d'avoir un mécène. Pourquoi j'ai appelé cette association mécénat ? C'est parce que justement, elle vit grâce à des mécènes, c'est-à-dire des amateurs d'œuvres d'art. Et je dis toujours que le cœur d'un enfant est une œuvre d'art. Et on le voit encore plus avec Visible Passion puisqu'on l'a en tridimensionnel sous les yeux. Oh, je pourrais plus m'en passer, sûrement pas.